Bonsoir à tous et bienvenue sur Pixel Barbecue TV. Alors ce soir, on se fait une petite vidéo PC pour changer d'un titre d'un studio indépendant nommé Oh No Studio. Une équipe de 3 personnes en fait, qui a eu le bon goût d'animer son jeu d'aventure ici, que je n'ai pas encore essayé mais j'en ai pu en voir les vidéos. Tsiok donc animé ce jeu à la main. Donc fatalement c'est toujours assez intéressant de voir un petit travail comme ça qui a été fait vraiment à la main et non pas par animation par ordinateur. Alors on va lancer ça ensemble tout de suite, c'est parti pour Tsiok sur PC. Long, long ago, somewhere nearby yet far, a kingdom of crescent and double star was ruled with strength, heart, and wisdom unseen by beloved monarch, the gold-haired good queen. Alors c'est écrit, hein, il n'y a pas de sous-titres, hein, c'est en anglais minimum. Donc il y a très longtemps, dans un pays lointain, un royaume était dirigé avec force, cœur et sagesse par la bien nommée souveraine, la bonne reine aux cheveux d'or. Always close, right by her throne. Was the little princess Chok, hardly ever seen alone. Where queen went, daughter would walk. Et toujours près d'elle siégeait la petite princesse Chok, qui était rarement vue, enfin était rarement seule, et elle allait partout où la reine allait. Yet soon would end the time of peace. Ill news came from the frontier. The phoenix, an ancient beast, brought to flames all that came near. Mais les temps de paix allaient bientôt se terminer. De mauvaises nouvelles venaient de la frontière. Le phoenix, une créature ancienne, incendiait tout ce qui se présentait. Queen said, "My dear, you must understand. I have to leave to a distant land to fight for you and all I hold dear." But in her heart, the princess felt fear. La reine dit, ma chère enfant, tu dois comprendre, je dois partir pour un pays lointain, pour combattre pour toi et pour tous ceux qui me sont chers. Mais dans son cœur, la princesse ne ressentit que de la peur. Leading an army, away the queen rode. Everyone prayed for her quick return home. Except one, who in the castle remained, to use the queen's absence for his own gain. La reine mena une armée et tout le monde pria pour pour son retour au royaume sain et sauf, sauf un qui resta au château et qui utilisait l'absence de la reine pour son propre intérêt. Qui donc ? The royal wizard, burned by ambition, had sworn with evil forces coalition to realize his sinister plan, to rule the minds of all women and man. Le magicien royal, enfin le magicien royal, brûlant d'ambition, a scellé un pacte avec les forces occultes, enfin les forces démoniaques, pour réaliser son sinistre plan de dominer l'esprit de toutes les femmes et les hommes. Set upon the highest tower, the wizard unleashed his power. The sky went black and lightning stormed. The castle began to transform. En haut de la plus haute tour, le magicien déchaîna ses pouvoirs. Le ciel devint noir et les éclairs fusèrent, on va dire ça comme ça. Et le château commença à se transformer. Towers once bright became dark as night. From walls and floors broken, crawled horrors unspoken. Les tours autrefois immaculées devinrent noires, aussi noires que la nuit.
et des murs des murs et planchers brisés, surgir des horreurs unspoken. Des horreurs sans nom. The vile wizard and his minions made the castle their dominion. While the princess bravely fought, she eventually too was caught. Le vil magicien et ses hommes de main, ses minions, voilà, firent du château leur propre royaume, et même si la princesse s'est bravement défendue, elle aussi a été attrapée. To the dungeon, take her! A prisoner, make her! Keep her there and lock the door! Interrupt me no more! Said the wizard and disappeared. Yet what he really should have feared was leaving but a single lock between escape and Princess Chalk. Alors bien sûr, moi je le fais pas avec les rimes, mais c'est quand même bien, bien écrit. Emmenez-la au donjon, faites-en une prisonnière. Jetez-y et fermez la porte et ne m'interrompez plus, dit le magicien avant de disparaître. Mais ce qu'il aurait dû vraiment craindre était d'avoir laissé une simple serrure entre la princesse Tioc et la liberté. J'aime beaucoup visuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez dehors. Pauvre château. Je regarde ce à quoi j'ai accès. Hein. Pas grand chose d'ici. Là j'ai un truc là par contre. Et la clé là, il y a un truc là aussi. Ah, je peux cliquer dessus. Stay quiet. Silencium. Alors tout bouge, hein, c'est. Un vierge de fer qui a. Il y a quelqu'un. Bon, alors c'est pas tout ça, mais comment je sors moi? Je suis trop. Enfin, Tioc est trop petite. Alors. Il n'y a rien à faire là. C'est purement cinématique, alors. Je peux laisser tomber mon médaillon apparemment. Je peux pas laisser sortir ça. Ça ne m'a pas beaucoup aidé, d'accord? On va réessayer quand même. Je peux recommencer, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ah ah ah.
va essayer une dernière fois. Sait-on jamais? Voir s'il y a une différence. Est-ce que je peux faire quelque chose du coup? Quelque chose qui est quand même tombé. Et bien voilà. Alors, voyons ça. La clé est là-dedans. Hein. Merci, chouchou. C'est bien, on va sortir donc. C'est un point and click à l'ancienne. Hein. Ah, je suis assez fan. Il sait qu'avec des mecs comme ça, il n'est pas rendu, hein, le sorcier. Ah, on n'est pas seul quand même, on a une sacrée bestiole avec nous. Là, je suis quand même de l'autre côté. Ils me poursuivent, ils me poursuivent. On va vite se planquer là-bas. On va voir. La séquence à droite est quand même fermée, donc on va passer par là. Une petite araignée. Enfin, une grosse araignée. Ah, c'est crade. Parce qu'on est d'accord qu'il va falloir que je tape ça dedans, quoi. Ah, mais dans le bon sens, d'accord. Voilà. Alors, zut, une fois de trop. Voilà. Voilà. Il n'y a rien dedans? J'improvise, hein. Oh, une cape d'invisibilité. Ça, ça va être utile. Elle a l'air sympa, la princesse, hein. C'est genre, ouh, toi, tu vas me le payer, connard. On n'a pas le nom du sorcier, tiens. Bon, c'est pas tout ça, mais... Non, pas par là, Tioc. J'ai mal cliqué. Bon, le double clic n'est pas géré pour se déplacer plus vite, par contre.
Tadam ! Invisible. Bon, jusque là, c'est pas hyper compliqué. Hein. En même temps, c'est pas le but. Je trouve que les décors sont vraiment très jolis. Puis c'est... Voilà. Les vraies animations, quoi. On dit bien qu'il devait revenir aussi... Rester invisible pour l'instant. Et... Ça aurait été trop simple. Mais bouge! Pourquoi elle bouge pas? Bon. Je sais pas me relever. Comment je fais là? Si je vais là, j'ai un piège. Je peux pas aller par contre derrière. Ah, j'ai pas le choix en fait. Bon, faut que... Faut qu'on m'explique. Allez, mais bouge, 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 bouge. J'ai absolument pas la solution là. Bon, je clique un peu partout, mais faut que je laisse appuyer peut-être, je sais pas. Je vais essayer parce que là je clique, mais vous entendez sûrement mes clics intempestifs, mais j'ai pas le choix. Comment je fais là? Relève-toi, Tiok. Le truc c'est que je peux pas revenir en arrière en fait. Donc attends, est-ce que j'ai pas un petit... Non, non, ok. Je peux juste avancer, voilà, elle va avancer toute seule. J'ai pas accès à autre chose. Donc je vais me faire capter ici. Le truc c'est que je sais absolument pas comment m'en sortir. Alors je suis désolé, hein, c'est refaire et refaire les mêmes situations, c'est jamais drôle. J'ai cliqué sur ce que je peux. Avant qu'il n'arrive. Je peux même pas... C'est pas comme si j'étais un esprit qui peut l'aider autour en fait. Bon, je dirais elle tombe. Là j'ai rien, j'ai pas du tout, du tout, du tout. J'ai
J'ai vu passer une araignée. Ah, il y avait une araignée. Je suis frustration. Bon, laissez-moi réfléchir une petite seconde. Il n'y a pas de solution qui existe pour ce jeu. J'aime pas être bloqué comme ça. Le studio Ownu m'a quand même bien eu pour le coup. Comme je tiens un œil si je ne sais pas trouver une petite info, parce que c'est quand même un petit peu casse-couille. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Je n'ai aucune idée. Rien du tout, je pense que je... Je vais tenter ma chance avec la petite araignée. On va voir. C'était bien ça. La petite araignée. Qu'il fallait faire tomber sur... Bah, je l'avais pas vu jusque là. Petite araignée, petite araignée. Me baisser apparemment. C'est quoi ce truc de ce timing de la mort qu'il faut? Au moins on s'ennuie pas, c'est pas des bêtes petites actions à faire comme ça rapidement. À faire, enfin c'est pas des énigmes, il y a quand même des choses à faire en un temps limité. On va tester, on va tenter des trucs. C'est bien ce qui me semblait. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je peux ramasser là? Ça me semble lourd. Ah! Oh, petite araignée, tu m'aimes bien toi, non? À moins que ta mère soit pas loin. Je sens pas là. Lui peut-être. Bâton alors? Lara Croft style? On va y arriver, on va y arriver. On n'a pas vu débarquer maman araignée, hein, c'est déjà ça.
Bien. Ceci est donc toujours cassé. Ce truc quoi faire, hein, c'est... Intelligent. Il y a un petit côté animation vraiment sympa. Oh, le sorcier. Fais gaffe aux sorciers aussi, en fait. On va y arriver, on va y arriver. Ah, et comment ça se fait que je passe directement? Bon, ok. Il a sauté deux d'un coup en fait. C'est pas très très punitif, hein. Mmh.
J'ai un peu de mal à suivre ces petites qui va gagner peut-être. Tirer dedans pour voir. Je comprends pas tout là. Je l'ai fait rater plusieurs fois. Il est là quand même, hein. Faire gagner petit peut-être. On va essayer de faire gagner petit pour voir si ça change. Voilà, c'était ça. Ah, bon, c'était pas ça. Pardon, apparemment c'est de récupérer l'armure. Pour me déguiser donc. Un morceau de bois, est-ce que je peux le prendre pour remplacer ça par exemple? Voilà, façon Indiana Jones. Elle rentre pas. Bon. Alors j'ai une paire de gants, j'ai les casques à bas dessus, donc je peux prendre l'échelle par exemple.
Hop, 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 hop. D'accord, je ne veux donc pas... Bon, il faut chercher apparemment. Descendre par là. Ça va sauter. Peut-être recommencer pour faire chauffer encore plus. Est-ce que les gants permettent de rattraper le casque? Cool. Je peux vendre. Ça me sert à quoi alors? Je regarde ce qui est d'interactif quand même. Maintenant, je peux prendre ça peut-être. Non, c'est la même arme, zut. Je cherche, hein, la vraie, je vois pas trop ce que je dois faire ici. Visiblement, je ne peux pas porter de choses trop lourdes quand même. J'ai pu enlever l'armure, j'ai pu enlever le casque, j'ai pu trouver la cotte de maille. La zone, hein, peut-être qu'il y a un truc à faire ailleurs. Un zèbre. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est quoi? Des écailles de dragon, d'accord. On verra à quoi ça servira plus tard, j'imagine. Je vais essayer ça, je vais me faire choper, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, il faut faire le tour de plusieurs endroits pour récupérer des objets.
bon côté cette fois. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Attention. Il n'y a plus rien apparemment. Mais j'ai fait beaucoup de bouquins. Ah, il y a une énigme ici. Mais il manque un rouage. Se cacher là. Hein. Chou. À quoi ça a servi tout ça? Donc toujours un truc. Le chat est parti. Non, non, mauvaise idée, mauvaise idée. Oui. Ouh. Ah, bon. La hache alors peut-être ? Pas très versé dans les arbres, on va dire ça comme ça. Vers quoi puis-je me diriger alors? Je sais pas, je tente des trucs. Bon, je vais partir pour l'instant. On va aller ailleurs, voir un petit peu. Non. Oh. Qu'est-ce qu'on y a sur cette table? Une aiguille, un derrière coude, du fil. Oh, maman ne me laisse pas coudre, enfin me laisse coudre en général, mais je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Alors, sûrement pour trouver un truc. Tiens, il faudra que je revienne quand même après pour coudre quelque chose. Les gants, ok.
D'accord, je vais donc me faire une armure, c'est ça? C'est ça le but du jeu? Et non, horreur. Bon d'accord, je reviendrai plus tard quand j'aurai au moins plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Des toilettes. Ça se tente. Mais non, qu'est-ce que tu... Pourquoi elle fait ça? Bon, c'est peut-être pas bon endroit. Tout simplement, peut-être que je vais pouvoir quand même partir. Je vois des bottes. On est d'accord que ça va nous servir ici pour lui. Ça ne marche pas, par contre, ça va peut-être marcher sur ses pieds. Me faire arrêter, hein, mais je vais quand même voir ce qu'il y a derrière. Bon, je peux pas approcher de ça. On va se faire arrêter. Rien de spécial. Partir alors. On a les bottes. Et du poivre. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Silencium. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, mais je m'en fous en fait. Je sais pas ce qu'il me semblait. Bon. Là-bas, est-ce que je peux faire quelque chose? Je vais quand même retenter si je sais pas faire quelque chose ici. Avec la méchante bonne fée. Mais même en fuyant ça marche pas?
m'en fuyant, je ne peux pas. Je vais partir ici alors, voir si je peux pas récupérer les choses. Maintenant que j'ai récupéré plus de trucs. Comment je vais pouvoir par exemple prendre ça? J'ai pas du tout. Bon. De toute façon, je vais bientôt arrêter cette vidéo parce que là, je suis en train de faire. Je sais pas combien de temps dure le jeu. La vie ne doit pas être hyper long. Oh, je peux encore monter là-bas dessus. Mais bon, le but, c'est pas non plus de tout vous spoiler. Hein. C'est pas une solution ce qu'on fait. Oh. Quand même trouver un deuxième bout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. Ok, donc mettre la tasse dedans, c'est clairement mourir. Pourtant, ça m'a semblé logique. D'une façon ou d'une autre, il faut grandir. Pour porter l'armure, par exemple. Avoir un peu plus de force. Je peux passer par là, on dirait. Oh, c'est joli. Ma cape d'invisibilité. Si j'avais su. Que c'était quand même l'item qui servait le moins du truc, hein. Allez, 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 vas-y, Tioc, remonte. Attends, attends. Comment j'ai fait? Comment je fais? Pas remonter apparemment. Je ne peux vraiment pas remonter du tout. Alors. Qu'est-ce que je peux utiliser pour remonter ?
Parce que là, je suis un peu à court d'idées en fait. Ah, ah. Voilà. Je peux rentrer. Rends-moi ma cape maintenant. Il est rapide. Essayez de le faire tourner un petit peu en brique pour voir. Et voilà. Un petit peu de temps, c'est tout. Bon, maintenant que cette porte est ouverte, ils vont quand même refiler ma cape, bordel de merde. Ah, toujours pas. Bon. Eh bien, on va partir alors, hein. Je sais pas ce que je peux faire d'autre, mais enfin, en tout cas, j'ai activé un truc. Il m'a déboîté ma salle des gardes, peut-être que pas via la tour. Pour ici, il me faut ma carte, il me faut ma cape d'invisibilité. Il n'y avait rien de plus. Ici, il manque toujours un rouage. Donc c'était pas ici non plus. Voilà. La meilleure côte de maille est le... Comment je pourrais trouver tout ça? Il n'y a rien sur la table, mais est-ce que je peux par exemple mettre ça? Non, ça ne va pas là. J'essaye tout, hein, dans ce cas-là, moi.
Ouais, je suis d'accord, mais bon, faut essayer. Tiens. Rien d'autre d'interactif par ici. Rien par ici. Ouais, table, ça me semble quand même bizarre qu'il n'y ait que ça à faire. Que quoi que je fasse, il manque toujours un truc. Il manque toujours un. Il manque un grenage, il manque un truc aussi, à cela. Dire c'est le jeu, hein, mais bon. Est-ce que je peux aller potentiellement ailleurs? Aux portes, mais bon. Ah, le chat maintenant. Je tente des trucs. Ça fonctionne, c'est bien normal, je m'attendais pas à ce que ça marche. Bon, en tout cas, j'ai quand même débloqué le chat. Ah, y a rien. Je ne sais rien enclencher. Ça, c'est la sortie par là, je pense. Ouais, c'est ça. Comme s'il devait avoir plus de force, c'est bizarre. Bon, ben je vais m'arrêter là quand même pour cette vidéo, ça m'évite de tourner en rond trop longtemps devant vous, hein. C'est pas très intéressant. Ben c'est cool, en tout cas visuellement il claque. Enfin, j'adore tous ces jeux en fait main, entre guillemets. Je trouve que les animations elles sont top. Les décors sont top aussi, les énigmes sont pas mal. Bon, c'est un peu, je vais pas dire compliqué. Parce que c'est pas compliqué en soi, c'est un enchaînement logique qu'il faut avoir. Ah, j'attends que j'ai le chat. Ah, ça veut dire que maintenant je peux prendre des trucs. Voilà, c'est un enchaînement logique. J'ai libéré le chat, donc. Est-ce que c'est une carotte? Ouais, une carotte.
À quoi ça me sert, j'en sais rien, mais... Mais bon. Grâce au chat, j'ai une carotte, à quoi me sert la carotte? Aucune idée. Peut-être pour faire le nez là-dessus. Tente des trucs, on sait jamais, ça peut parfois être tellement donc il me fallait une carotte, c'est cool, je l'ai, mais je suis pas plus avancé pour les autres. Ici j'avoue que ça me perturbe, pas trouver le truc, le petit morceau qu'il faut. Si j'avais zappé un endroit. Bon, y a rien là-dedans, on a déjà fouillé. Et ici, il manque un engrenage. Je vois absolument pas où je dois aller, j'avoue. Je suis un peu paumé. Bref, bah ça va être le moment de s'arrêter. J'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos sur Tioc du studio Oh No, qui porte très bien son nom, je trouve. En tout cas, moi je trouve ça vraiment très joli, très agréable, un point and click à l'ancienne. On est un petit peu dans la veine, peut-être pas d'un Monkey Island, faut quand même pas exagérer, mais de ces point and click à l'ancienne. Qui ont fait les beaux jours du PC, honnêtement, moi j'adore. On va se faire bouffer une dernière fois. Ce truc là, franchement, c'est terrible. Comme savoir si on peut faire autre chose ou pas. Ah, j'ai essayé un truc, mais... Ah, ça marche. Ça, je m'y attendais pas, j'avoue. J'y retourne, je ne peux pas. Ça se tentait, mais non. Je ne sais pas du tout ce que ça m'apporte de les faire s'affronter. Ah, ils s'affrontent plus en tout cas. Bon. Je vais faire bouffer.
je tente des trucs. Toujours pas, donc je ne peux pas avancer, je ne peux que reculer. Mais j'ai obtenu un truc qui change de couleur. Est-ce que je peux utiliser un truc qui change de couleur sur moi peut-être? Non. Non. Sur la table. Ah ben je peux le mettre dessus. On va donc le recoudre. Qu'est-ce que quoi? Je vais lâcher ce. Je vais lâcher les ciseaux. Donc je vais essayer quand même de recoudre ce sac. Pas simple à la souris, mine de rien, c'est pas comme enfin, ça ne se dirige pas exactement comme je le voudrais en fait. Faut aller assez doucement. Tac, tac. Ah, au-dessus, en dessous, il faut vraiment coudre quoi. En dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. On attrape le pli, hein. Compliqué dans les virages. Et voilà. Quoi va me servir ce sac, je n'en ai aucune idée. En tout cas, le jeu est quand même bien fichu à ce niveau-là. C'est pas si simple, je vous dis. Ah. Puis il faut maintenir la souris appuyée, donc il faut aller quand même relativement vite. Ça reste fatigant pour les doigts. Ah, il y a doucement en fait. Bien positionner son aiguille. Ça a l'air con dit comme ça, hein, mais. On n'est pas dans Couture Simulator, mais presque. Au moins c'est un mini-jeu qui a le mérite d'être là. Est-ce que je vais être dans la zone simplement? Ouais, je pense que je vais être simplement dans la zone.
Et voilà. Un sac magique pour moi. Maintenant, je peux porter tout ce que je veux. Ah, ça c'est intéressant. Du coup, on va continuer encore un petit peu. Parce que là, je peux aller chercher maintenant ceci. Ceci. On va en terminer avec l'armure, on va s'arrêter là. Ça, je ne sais pas si je peux aller plus loin. Et la côte de maille. Disons, en fait, c'est pas ces vêtements-là, faut trouver autre chose qui soit plus léger pour elle. Voilà, on va donc pouvoir essayer ça. La petite côte de maille, le plastron, le casque, et voilà. Alors, la carotte, ça ne va pas. C'est pas de la bonne couleur, et je peux pas la garder en place. Je sais. La fameuse boue noire, là on va taper la carotte dedans. Je sais plus où, c'est là? Non. Ah, ici il me faut la cape, hein. Y a pas le choix. C'est pas ici, c'était en haut. Et on va utiliser la petite carotte. Avec ça. Ok, on va retourner. Qu'est-ce que ce château n'est pas bien gardé du tout. Est-ce que ça colle suffisamment? Et ouais, c'est bon. Tadam! Je pense qu'avec ça, en fait, ça c'est quand on pense qu'on abandonne. On va y passer par la tour. On va mettre l'armure du gars qui va nous filer les clés du coup. J'ai les clés quand même, non? Oh! Tabernacle, il les a gardés avec lui. Ça marchera pas. Les bouts d'armure non plus. Je peux passer par là peut-être du coup. Non, non, mais je vais m'arrêter là, sinon je n'arrêterai jamais cette vidéo. Je vais vous faire tout le jeu, c'est pas le but. On va donc en arrêter là pour le secret. C'est haut. On va s'arrêter là, n'est-ce pas? Voilà, donc on va s'arrêter ici, hein, Seven Exit. Il y
Yo. Ah ouais, ça sauve et ça sort. J'espère qu'il m'a bien sauvegardé le tout. Ça me ferait chier parce que je pensais qu'il me ramenait à la page d'accueil. Enfin, oh non! Voilà. Si je fais continue, tu me ramènes exactement au même endroit. C'est parfait. Ok, bon, on va s'arrêter là. Donc, c'était Tioc. Ça sort sur PC incessamment sous peu. Je vais vous dire ça d'ailleurs. Ça sort quand Tioc? Ah bah c'est sorti, hein, c'est le 7 novembre sur Steam et GOG. Et ah bah voilà, c'est donc un jeu d'aventure en 2D, un point and click, et honnêtement il est vraiment très cool au niveau de son et de son gameplay et de son ambiance graphique et de son humour, etc. Bref, je vous le conseille honnêtement. Il doit pas vouloir être bien cher sur Steam. Je vais vous dire ça tout de suite d'ailleurs. Je vais vous dire ça tout de suite combien il vaut sur Steam et sur GOG bien sûr. On est à... Quand mon aviateur voudra bien, bien sûr. On est à je ne sais pas combien. Mais sur GOG en tout cas. Ça tout de suite. Là, ça ramouille un peu parce que j'ai quand même plusieurs choses qui tournent en même temps. C'est quand tu veux. Voilà, on est à 12 euros. Honnêtement, ça les vaut. Ne fût-ce que pour le travail graphique, pour l'humour et pour les petites énigmes, mine de rien, qui sont sympas. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et à bientôt sur Pixel Barbecue TV. Salut!